Père Noël. Ça finira un jour, les amours séculaires sont toujours les premières. Ils se feront la guerre. Les passions incendiaires sont les plus éphémères. Ils appellent ça l'amour. Je meurs et je vis. Je ne serai plus le seul à courir sous la pluie. Oh, oh, oh. L'étoile qui me suit va détruire le soleil de mon fort. Par le créateur de Voici les clés de Soldats, ne tirez pas, viens nous retrouver, Gérard. Je suis non seulement content de t'avoir parce qu'on s'aime bien, tout simplement, ouais. Mais en plus parce que j'ai l'impression de recevoir une espèce de nouveau Gérard Lenormand, batailleur qui revient à l'action, qui revient à la charge, qui a peut-être résolu plein de problèmes personnels avec une banane jusque-là. Enfin, je me trompe ou pas? T'as tout à fait raison, j'ai rien à dire. Bon, eh bien voilà, on passe à la séquence suivante. En tout cas, je constate une chose, qu'il y a des gens qui se lisent comme ça, là. Et je crois que ça, c'est l'histoire de ma vie. Tu veux, je te dis. J'ai ça. Pas besoin de raconter quand non, ça va, ça, quand ça va pas, quand visage. Je suis bien, quand je suis pas bien. Bah, tant mieux. On voit que ça va bien, quoi. Ben, comme ça. Et c'est bien parce que d'un côté, ça m'oblige à ne jamais raconter de bobards, raconter d'histoires, etc., etc. Ce qui est bien pratique car j'ai horreur de ça. Tu sais, le type qui arrive devant une caméra ou devant un micro, oui, tout va très bien, oui, c'est formidable ce que je fais. Moi, quand je trouve que c'est pas terrible, ben, je m'écrase. Je dis non parce que je ne l'offrirai pas, parce que pour moi, offrir une chanson, un disque, c'est offrir un cadeau. Et le premier à qui on l'offre, c'est à soi-même. Imagine Monsieur d'Ormesson faire un livre qu'il considérerait plus ou moins comme terminé, plus ou moins comme complet, etc., etc. Enfin, pas très heureux de l'avoir fait, bah, oui. Et qu'il se mette à l'offrir. Et puis on serait gêné, et moi aussi. On en parle moins bien, ou bah, alors bien on le chante moins bien, forcément. Puis il y a des gens qui sont faits pour être vrais, spontanés et honnêtes, et je crois que je fais partie de ces gens-là, et tant mieux. Bah, écoutez, c'est moi qui n'ai plus rien à dire maintenant. Une dernière chose, Gérard, le 45 tours, c'est pour nous faire patienter en attendant un 33, j'espère. Eh bien voilà, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche. Très bien. Eh bien, très honnêtement, je vais vous dire la vraie vérité. C'est que normalement, j'aurais souhaité sortir cet album, mais il y a tellement longtemps que je travaille dessus, et ces chansons excitaient tellement de gens que j'ai cédé au plaisir de leur offrir en avant-première aux gens alors qui font partie du public et un peu du métier et de la profession. Oui. Donc voilà, alors j'ai accepté de sortir en avant-première, disons, sur l'album. Un petit extrait, quoi. Et puis je sais que ça va exciter pas mal de curieux, et c'est puis, pas désagréable. Et puis ça veut dire que vous reverrez Gérard Lenormand dans l'émission au moment de la sortie de l'album, ça veut aussi dire ça. Merci Gérard. Reste avec nous car nous allons maintenant demander à Jean d'Ormesson de nous rejoindre et accueillir Isabelle Lestocquois pour Mon Truc en Plus. Je ne sais ce qu'elle nous a réservé aujourd'hui.